C'était cette chanson. C'était génial. Là, nous allons parler de biscuits et cassonades. M. Noël, Caroline Manger. On va parler de l'identité de biscuit, son caractéristique, curieux et parfois peureux. Son passe-temps, collection de souvenirs. Sa couleur favorite, c'est le bleu. Ses mets préférés, c'est la pizza. Défaut, un tout petit menteur. Sa qualité, il est adorable. Sa grandeur, c'est lui le plus grand. Parlons de Cassonade, son petit frère. Caractéristique, drôle et toujours plein d'entrain. Son passe-temps, c'est danser et faire du sport. Sa couleur favorite, c'est le rouge. Ses mets préférés, c'est les gaufres et les crêpes. Ses défauts, c'est parfois il est parfois maladroit. Sa qualité, c'est courageux. Et sa grandeur, c'est lui le plus petit. Voilà. Les préparatifs. Le temps des fêtes est le moment de l'année que Biscuit et Cassonade préfèrent. C'est une période bien spéciale remplie de magie et de rituels. Biscuit et son petit frère Cassonade ont tout prévu pour passer un Noël merveilleux et inoubliable. La grande expédition. Aujourd'hui, le temps est parfait pour une belle sortie sur le ciel bleu. Biscuit et Cassonade s'habillent chaudement, prennent leur traîneau et marchent en direction de la forêt. « Suis-moi, Biscuit !» dit Cassonade d'un air résolu. « Je sais exactement où aller pour trouver le plus beau sapin de Noël. » Biscuit et Cassonade repèrent rapidement un joli sapin bien vert et bien garni. C'est décidé, c'est celui qui ornera le salon pour toute la période des fêtes, à l'air de sa petite scie. Biscuit coupe l'arbre et le fait prudemment tomber pendant que Cassonade regarde son frère avec beaucoup d'attention. Tout heureux, les deux bûcherons en herbe attachent le sapin sur leur traîneau et se mettent en route vers la maison. Leur habit de neige enlevé et le sapin bien installé près de la cheminée. Biscuit et Cassonade déballent les décorations une à une, au son de la musique de Noël qui égaye la maisonnée. Boule de Noël brillante, petite figure de bois, guirlande lumineuse, boucle et canon bonbon. Les deux frères s'en donnent à cœur joie. Ils laissent libre cours à leur imagination pour décorer ce sapin qui sent si bon. Un doux moment. Le soir venu,
sur les lumières du sapin et à la douce chaleur du foyer, Biscuit et Cassonade profitent enfin de la magie de Noël. Biscuit sort son vieux livre de contes et légendes du temps des fêtes. Cassonade insiste que son frère lui raconte l'histoire de Casse-Noisette comme chaque année. La fabrique de pâtisserie. Cet après-midi, Biscuit et Cassonade ont invité leur voisin Ricardo à faire des pâtisseries de Noël avec eux. Ils se sont même déguisés pour l'occasion. Biscuit, Cassonade et le petit Ricardo en fière allure dans leur costume des fêtes. Installés au comptoir de la cuisine, les trois amis se mettent au travail. Ricardo a l'habitude de faire des pâtisseries avec sa maman. Biscuit et Cassonade suivent les directives de leur ami à la lettre afin de cuisiner les plus belles et délicieuses friandises de Noël. Donc là, c'est Ricardo. Là, c'est Biscuit et là, c'est Cassonade. Sans perdre. Aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Les deux frères décident de faire le tri des jouets qu'ils n'utilisent plus pour les donner à des enfants qui en ont au moins. Ils remplissent un sac de jouets et un autre de provisions qu'ils remportaient ce soir aux plus démunis. Donc ça, c'est Biscuit et Cassonade qui portent leurs anciens jouets pour les enfants. C'est comme la mission du Père Noël. Au retour de leur mission, Biscuit et Cassonade en profitent pour aller se promener. Ils admirent les décorations, les lumières et le grand sapin tout orné au centre du village enneigé. C'est tellement beau. Les passants qui croisent sont joyeux, même s'ils semblent oppressés et excités à l'idée de retrouver le confort de leur maison. Tous se regardent avec le sourire et se souhaitent joyeux Noël. Donc ça, c'est le grand sapin de Noël. Et ça c'est Cassonade et Biscuit qui viennent se promener au centre du village. Et ils regardent ça. De retour à la maison, les deux gourmands s'installent confortablement pour jouer à toutes sortes de jeux en dégustant quelques friandises de Noël. Biscuit est au comble de bonheur, car ce qui colle le plus à ses yeux, c'est de ne jamais quitter son petit frère et de s'amuser avec lui. Ça, là, c'est Biscuit et Cassonade qui jouent à des petits jeux de Noël et qui s'amusent bien. Merci à tous d'écouter mon histoire, les amis. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Mouah.